Oh là là, oh là là. Le Qatar. Je vois que on a choisi les gens pour aller au Qatar là. Moi j'ai vu un avion dans lequel il y avait beaucoup de les influenceurs et certains artistes. Je n'ai pas la preuve. Mais j'avais beaucoup de gens aller là-bas au Qatar, les influenceurs, les artistes. Je ne sais pas sur la base de quoi on opère le choix des gens là. Je ne sais pas sur la base de quoi on a choisi les gens qu'on a envoyés au Qatar. Mais je veux ici condamner les blogueuses qui ont gâté notre blog. Parce que si on n'a pas pris les blogueuses de la diaspora, c'est à cause de vous, de votre comportement là. On a pris les blogueurs au Cameroun, on a envoyé au Qatar. Personne à la diaspora. À cause de vos histoires, cette fausse image du blog camerounais là. Voilà les gens qu'on a pris pour envoyer au Qatar. Oh, voilà les gens, les comédiens, les gens qui ne parlent même pas de l'actualité du Cameroun. Les blogueurs qui, que lorsque le Cameroun est attaqué, ils ne parlent même pas, ils n'existent même pas. On les a envoyés là-bas. Nous, nous de la diaspora, nous les blogueurs de la diaspora, on n'a pris personne. Ils n'ont pas tort à cause de la mauvaise image, de la très mauvaise image du bloc camerounais, ce qu'il y a sur la toile. Les histoires de Calaisson, les histoires de Lélé, cette mauvaise image a fait qu'ils n'ont pris personne pour le Qatar en diaspora. Mais j'ai envie de vous dire que ça ne va pas être animé. Ça ne sera pas animé. Le Qatar ne peut pas être animé avec les gens qui sont partis là-bas. Parce que les blogueuses et les blogueurs de la diaspora, ils savent ambiancer. La Coupe d'Afrique a été animée au Cameroun par les blogueurs. Je suis désolé. Regardez un peu. La Coupe d'Afrique qu'il y aura en Côte d'Ivoire. On n'entend même pas quelque part. Voilà les Ivoiriens. Vous dites même que le blog ivoirien là, ils sont efficaces que dans les injures. Hein? Le blog ivoirien, voilà la Coupe d'Afrique chez eux en 2023. Ils ne parlent même pas. C'est nous. Ce sont les blogueurs, les influenceurs, les lanceurs d'alarme et les activistes qui avaient animé la Coupe d'Afrique là. C'est nous qui avons animé cette Coupe d'Afrique. Sinon, la Coupe d'Afrique là devait passer au Cameroun. On n'entend même pas le plus. Comme la Coupe du Monde là. C'est sans nous là, sans la diaspora là. Tout l'ensemble du bloc de la diaspora là. C'est nous qui parlons de la Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde. Hein? C'est nous qui parlons de ça. Regardez les tintins qu'ils ont pu envoyer là-bas. Regardez vous-même. Donc, les blogueuses là, vous avez tué le bloc camerounais avec la saleté. C'est vous. Regardez la Coupe du Monde là. On n'attend même pas. Mais s'il y avait les blogueuses là-bas camerounaises, s'il y avait les blogueuses camerounaises, ça devait être animé. C'est vous qui nous avez ramené. Vous nous avez ramené toutes les saletés là sur Facebook. On vous a dit que le blog, ce n'est pas les injures. Le blog, on vous a dit que la pimenterie cachait ça. On vous a dit cacher tous ces trucs là. Vous n'avez pas caché. On a pris tout un avion. Tout un avion envoyé les gens du Cameroun là-bas. Est-ce qu'ils connaissent alors le boucan? Ils sont villageois. Les gens qu'on a envoyés là-bas même, ils sont d'abord villageois. Il faut les voir dans l'avion. On a beau parler ce qu'on veut. Mais quand Aline, Lolo et la veuve Joël sont partis à la Coupe d'Afrique,
Vous allez beau raconter tout ce que vous avez raconté. Elles ont quand même animé. Oh, elles ont quand même ambiancé la Coupe d'Afrique là. Et ça joue, ça anime. Regardez les matchs. Hein? C'est... Les gars ont mis l'ambiance là-bas, même comme ils étaient en caleçon. Mais ça fait quoi? Voilà Kim Kardashian qui est en caleçon sur ma page. Il faut arrêter. C'est vous qui avez, vous avez sali le bloc camerounais. On n'a pas pris les gens. Mais les gens qui sont partis là-bas, ils ne sont pas forts. Quand les blogueurs sont dans, jouent le sang. C'est la magie. Parce que d'abord, les Brésiliens là, ils sont sereins. Les blogueurs devaient d'abord s'issier à les Brésiliens là-bas correctement. La concurrence devait d'abord se jouer même avec les gens de pays. Là, nous, on devait attaquer d'abord les Camerounaises, là, les blogueuses camerounaises devaient attaquer d'abord les Brésiliennes correctement. On devait les faire sortir. Ils sont trop sereins. Ils sont trop sûrs qu'ils vont nous gagner. La guerre d'abord. Hein? Quand le camp en Coupe d'Afrique, ce qui a motivé les Lions, c'est d'abord la guerre des blogueurs. Quand les blogueurs attaquaient d'autres pays, là, quand on attaquait l'Algérie, c'était sur Facebook. C'était dans le virtuel d'abord. On attaque l'adversaire dans le virtuel. Regardez les gars qui sont partis. Regardez les comédiens qui sont partis. Tous ces gens-là. Eux-mêmes, ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés là-bas, à Doha. Ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés, regardez. La présence de quatre blogueuses là-bas, à Doha. Ça devait faire mal. C'est comme s'il n'y a rien. Ça dit que la Suisse, tous ces pays-là sont sereins. Nous, d'abord, on devait faire le sissia d'abord sur la toile. Effrayer d'abord les pays-là d'abord avec le bruit. Regardez les blogueurs qu'on a pris. Les gens, on a rempli l'avion. Gars, quoi qu'on dise, quand on prend des blogueurs pour amener dans une telle compétition, c'est des gens qui ont une visibilité. Non, pas seulement la visibilité, mais qui ont la parole. Il y a des gens qu'il faut être là-bas parce qu'ils jouent un rôle. Les présidents sont sereins, ils sont trop sûrs. Nous, on devait d'abord les taper d'abord avec le bruit. Nous, on devait d'abord taper les équipes, les adversaires. On devait d'abord les taper avec le bruit comme on a fait en Coupe d'Afrique. Oui, ce sont les blogueurs qui ont fait la Coupe d'Afrique. Ce sont les blogueurs qui ont rempli l'Olympia de Lady Ponce. On a besoin du boucan. On a besoin du boucan. C'est la force d'un pays, le boucan. La France, est-ce qu'elle est à cause de son tapage médiatique? À cause de la France, est-ce qu'elle est à cause de ses journalistes? De son journalisme? Le Cameroun, est-ce qu'il est à cause de ses blogueurs? On est fort jusqu'à ce plus bon. Oui. Les gens qu'on a ramassés là, mettre dans l'avion là, ils sont mous. J'ai vu l'avion là, il dit que mais mon frère. Hein? La personne qui a sélectionné, tu devais prendre au moins 5 blogueurs de la diaspora. 5! Nous, on fait le bruit à Doha. Mon frère, moi-même, je voulais partir là-bas. Le billet d'avion, c'est 1900 euros. Papa. Fais pas. Go à Doha, c'est au moins 5000 euros, gars. 5000! Tous les matins et soirs, nous édifions les Camerounais. Hein? Même le petit Mapan, voilà un gars Mapan. Pourquoi ne pas mettre le gars dans l'avion envoyé au Cameroun, à Doha, pour le récompenser pour tout ce qu'il fait de positif qu'au Cameroun ne veut pas voir. Hein? Le petit Mapan, c'est le meilleur blogueur du Cameroun. Mais c'est incroyable, vous ne pouvez pas... Les blogueurs camerounais de la diaspora, là, vous savez comment nous faisons dans le social au Cameroun? Vous savez comment nous faisons dans le social? Même avant que vous connaissiez ces blogueurs de Mbeng. Hein? Combien de fois les gens ont été malades au Cameroun? C'est Lolo qui cotise. Elle envoie là-bas. Combien de fois Flore organise des trucs, compresseurs, tous ces gens-là. Vous deviez envoyer au moins 5 personnes de la diaspora là-bas. On s'en fout de ce qu'elles font. On vous parle de gens qui ont une capacité médiatique au pair. Hein? Vous croyez que au Cameroun, là, je vous mets au défi.
Quel journaliste est plus connu qu'une de ces blogueuses? Hein? Le Qatar, il n'y a pas l'ambiance là-bas. C'est trop mou. C'est trop mou. Il fallait le bruit, Diman. Il fallait l'ambiance. L'ambiance la joue. Donc au Qatar, le ministère des Sports devait prendre une dizaine d'influenceurs camerounais pour envoyer là-bas, pour qu'eux ils relaient, parce qu'ils sont plus forts que les journalistes. Ah ben oui, il y a les blogueurs. Les blogueurs ont plus de visibilité que les journalistes. Hein? Il y a les journalistes là-bas, ils n'ont même pas 10 000 abonnés. Il faut arrêter. Nous, on devait être là-bas. C'est... Un blogueur vaut 10 000 supporters. Je suis désolé. Le bruit d'un blogueur ou d'une blogueuse dépasse 20 000 supporters. Moi, j'ai vu les gens qu'on a envoyés là-bas, des ting-ting. Les ting-ting, ils sont dans l'avion comme des... Ils sont même sales jusqu'à... C'est quoi ça? Vous voyagez même pour aller représenter le Cameroun. Vous êtes habillé comme si c'est le dernier... Comme si c'est le dernier vêtement du déballage qu'on vous a donné pour aller au Cameroun, pour aller là-bas. Hein? Regardez l'avion là. On dirait qu'on a ramassé les gens dans un village. On dirait qu'on a ramassé les gens dans un village pour représenter le Cameroun. Vous devez faire partie 10 blogueurs de la diaspora. Vous payez à hauteur de 500 000 euros. Le rôle des blogueurs, c'est d'aller animer cette cam et relayer. Parce que le blogueur dépasse un journaliste. Le blogueur est plus efficace qu'un journaliste. Les gars là sont habillés comme si on a ramassé les derniers habits du déballage. Vous allez représenter qui? Hein? Ils sont là-bas, personne n'a acheté même le maillot des lions. Ils sont dans l'avion. Il dit que personne n'a eu 39 000 pour acheter le maillot des lions. Ils partent représenter le Cameroun. Bande de villageois. Mais ils vont les. On va les regarder là-bas, on va dire que mais c'est quoi ça? Moi je dis ça ne vous coûtera rien. Avec 50 000 euros, vous prenez 10 blogueurs pour aller représenter, aller faire le bruit là-bas. Parce que les Brésiliens là, ils sont trop sereins. Ils sont trop calmes. Vous comprenez? Les Brésiliens là sont trop calmes. Nous, on devait les attaquer médiatiquement. Leur casser. Vous avez vu les spectateurs argentins, ce qu'ils ont fait à Mbappé, non? Regardez les spectateurs. Quand on dit que les spectateurs sont forts, les spectateurs argentins, ils ont attaqué Mbappé et la France. Dit que les joueurs français, ils viennent d'Angola. On a rappelé Mbappé. On a rappelé Mbappé ses origines camerounaises. C'est ça! C'est que les argentins ont commencé là. C'est ça que nous, on devait faire. Les spectateurs argentins, là, ils ont dit à Mbappé que c'est Mbappé camerounais. Vous comprenez? Il faut 10 blogueurs camerounais là-bas pour commencer le Sicia. Il faut 10, 500 000 euros. N'ont pas fait le travail là-bas, Diman. C'est 50 000 euros, 500 000. Vous prenez l'hôtel, non pas là-bas, on peut effrayer. Regardez les Argentins. Les Argentins ont déjà coupé le Sicia aux Français. Très mal. La guerre, là, ce n'est pas seulement le football. Elle est médiatique d'abord. D'abord, elle est médiatique. Donc, les sporteurs camerounais sont mous à Doha. Les gars sont arrivés là-bas, c'est des villageois. Ils sont arrivés à l'aéroport, ils regardaient comme ça, ils prenaient les photos. Mon ami, on arrive là-bas, on coupe le Sicia à tous les adversaires du Cameroun. Tous les adversaires du Cameroun, ils sentent ça sur eux. À cause des blogueurs là, de la Coupe d'Afrique, les gens avaient peur. À cause de la Coupe d'Afrique, les équipes avaient peur d'affronter le Cameroun. Parce qu'affronter le Cameroun, c'est affronter Flore de Lille. Affronter le Cameroun, c'est affronter Lolo Fondja. Affronter le Cameroun, c'est affronter... Qui est? Compresseur. C'est affronter... Qui encore? Ahmed Kamen. Mais Ahmed Kamen, lui là... Le voilà, il est au Cameroun, on ne le connaît même pas. Ça, Ahmed Kamen. Tu es au Cameroun comme ça, là, on ne te prend pas. Regarde les gens qu'on a pris. On est de vivre à Yaoundé. Tu es parti vivre à Mandouba, à Mekame. C'est pour ça qu'on t'a pas pris. Là-bas, ils ne te reconnaissent même pas comme blogueur. On demande aux gens au Cameroun, on ne te connaît pas. Donc, tu es seulement... Oh, putain. Tu es au Cameroun, là-bas, à Mekame. On te laisse.
Les gens qu'on a mis dans l'avion, j'ai dit que les gars là ont mis les derniers choix de la friperie. Ne tentez pas. Vous là qu'on a mis dans l'avion, d'aller dire que vous êtes Camerounais. Non, vous n'êtes pas Camerounais. Les gens qu'on a mis dans l'avion pour aller à Doha. Nous-mêmes d'abord, on devait couper le Sisia. D'abord à chaque équipe qui joue au Cameroun. La guerre médiatique d'abord des sporteurs. Ils sont là-bas, ils dansent, ils sont arrivés à l'aéroport. Ils sont surpris de l'aéroport. Avec les habits de 2 à 200. Quand on regarde les sporteurs d'une équipe d'abord, on a peur. Regardez même nos joueurs. Vous avez vu nos joueurs, comment ils sont arrivés, non? Il n'y avait pas la différence entre nos joueurs et l'équipe de France. Regardez la fraîcheur de nos joueurs. Oui, c'est le Sisia d'abord, de la fraîcheur. Une équipe africaine ne doit pas être villageoise. Regardez tous les joueurs camerounais là, ils étaient frais. Yay, Adama. L'équipe camerounaise d'abord était fraîche. Oui. L'équipe camerounaise. Oh, la fraîcheur de ça. La fraîcheur de ça. Tu es d'abord fier que les gens qui représentent ton pays sont propres d'abord. Maintenant, les gens qu'on a mis dans l'avion là. Les gens qu'on a mis dans l'avion là. Voilà le comédien là. Orga, dès qu'il est entré dans l'avion, il a dit qu'il va caler à Doha. Orga dit qu'il va caler à Doha. Sa première fois de monter dans l'avion, Orga dit qu'il va caler à Doha. Voilà les gens qu'on a voit supporter les Lions. Le Brésil devait confirmer les blogueurs camerounais. Donc nous, moi en fait, c'est que je veux le Sisia sur les équipes là. Oh, il devait déjà avoir une guerre entre les influenceurs camerounais et brésiliens. Nous, on devait déjà avoir les massacrés. C'est nous qui donnons la force. C'est nous, les blogueurs, là, qui donnons la force au lion, là. Avec le Sisia, Ova Sisia. Ben, il y a, non? C'est trop mou. Même la Suisse, là, devait entendre, d'abord. On devait rappeler aux Suisses qui ne sont jamais arrivés au quart, d'abord. Que les lolos de nos influenceuses, ça dépasse les lolos de tous les Suisses. Parce que les Suisses, là-même, ont d'abord les petits trucs. Moi, j'ai dit au ministère des Sports de prendre 10 blogueurs camerounais pour aller taper le tam-tam là-bas. Parce que ce qu'on a pris là, c'est la friperie. C'est les supporters de la friperie qu'on a pris pour... Ils ne font pas le bruit. Il y a déjà au moins 30 qui sont cachés là, ils ne vont plus rentrer. Les gars qui sont partis dans l'avion là, il y a déjà au moins 30 qui ont dit qu'ils ne rentrent plus. Ils ne vont plus rentrer au Cameroun, ils sont arrivés à Doha. Voilà le comédien là, l'autre là. Orga dit qu'il ne rentre plus. Mais Orga, on t'a envoyé là-bas pour aller être un villageois. On t'a envoyé à Doha pour aller supporter les lions. Pour aller faire le boucan. Je demande. C'est l'agent des Camerounais. C'est l'agent des Camerounais. Prenez 10 blogueurs. Vous envoyez là-bas. Prenez 10 blogueurs, vous envoyez là-bas. Ça fait 50 000 euros. 500 000, avec 5 000 euros. Amen, quand même, mérite de go là-bas. Amen, quand même, c'est quand même quelqu'un. Il mérite de go là-bas. J'ai dit au gouvernement, Amen, quand même. Flore de Lille, Lolo Fondia, La Veuve Joyeuse, Eloa Minga, tous ces gens-là, comment on appelle, ou c'est l'autre là. Hein? Une dizaine de blogueurs, allez là-bas faire le bruit. On a besoin de ça, c'est la fête. Parce que là, c'est mou. Même la Coupe d'Afrique était plus animée que l'histoire, là. Diman. Compressor, Lolo, tous ces gens. Envoyez-les là-bas, une dizaine de personnes. Orga anime quoi, mon frère? Orga arrivé là-bas, il veut caler là-bas. Orga veut caler là-bas. Non, il ne faut pas regarder que tel avait fait que quoi. Mon frère, à un moment, laissez les injures. Même le président Amoud et sa femme, envoyez là-bas. Envoyez des gens qui peuvent animer la Coupe d'Afrique. Pas les villageois qui vont arriver là-bas, ils vont filmer les gradins, filmer les joueurs. Comprenez? C'est l'argent des Camerounais.
prenez 100 000 euros, vous envoyez, vous prenez 100 000 euros, un budget, 100 000, selon les Camerounais, vous envoyez les gens qui vont ambiancer là-bas. C'est trop mou, ce n'est pas bien. Et on ne ment pas. Toutes ces blogueuses-là, elles ne travaillent même pas. Même l'étoile crédienne, là, envoyez-la là-bas, envoyez, payez. C'est simple, c'est l'un des Camerounais. Parce que c'est je ne sais pas. Hein? Envoyez une vingtaine de personnes là-bas qui vont animer la Coupe d'Afrique. Qui vont ambiancer là-bas correctement. C'est ce que je voulais dire ce matin. Ben oui. L'équipe nationale n'est pas accompagnée, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas les supporters, c'est naze. Le Cameroun va jouer avec 10 personnes dans les gradins. Il faut un budget, on envoie des gens là-bas. Vous envoyez une vingtaine d'influenceurs. Mais il faut avoir au moins 100 000 abonnés sur la page. Hein. Les gens comme Dekom Amogo, il a 5 000 abonnés. Un blogueur avec 5 000 abonnés là, je ne sais pas comment. Et si Dekom entre dans l'avion, Dekom Amogo entre dans l'avion, qui va entrer dans l'avion? Hein? Même pour aller au Cameroun, il était obligé de prendre Air Saleté Maroc. Si Dekom Amogo, avec ta saleté là, et blogueur avec moins de 5 000 abonnés là, et Dekom, on ne peut pas t'accepter. Tu es un blogueur. Si on prend un blogueur avec minimum 100 000 abonnés sur ta page, tu vas au Qatar. Tu vas partager tout ce qui se passe. Hein? Voilà le morguier. Tu as 5 000 abonnés, tu ne peux pas. On peut pas même si on dit 10 000, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être sélectionné. Hein? On prend des personnes à partir de 100 000 abonnés. On envoie là-bas. À l'ambiance qu'il y aura là-bas. Que les Qataris, les secondes, qu'on ne niasse pas les gars. Je vais niasse au moins 10 gars là-bas. 10 Qataris, mon frère. Hein? Ah, les supporters, quoi. Il y a quel supporter là-bas? Imaginez, il y a Lolo là-bas, il y a Flo, il y a Compressor, il y a qui, tous ces influenceurs là-bas. Ce sera l'ambiance, mon frère. Un influenceur n'est pas un supporter lambda. Hein? Vous comprenez un peu. Donc l'équipe nationale, il faut les polémiques, il faut les problèmes, il faut les tout pour encourager les joueurs. Zambo Anguissa, tout le petit boucan qu'il fait là, c'est parce qu'on ne le chauffe pas. Zambo, arrête tes micmacs que tu fais là. Parce que quand nous les influenceurs, on va prendre ton dossier là. Zambo Anguissa, quand nous on va prendre ton dossier là, tu vas rire avec les gens. Oui, Zambo Anguissa, parle, je m'adresse à toi. Ah, tous les trucs que tu fais là-bas, on n'a pas encore récupéré ton dossier. Tu fais tes trucs là, Zambo Anguissa. Nous, sur Facebook, on ne t'a pas récupéré. On n'a pas besoin de ton cinéma que tu fais là, Zambo Anguissa. On n'a pas besoin de ton cinéma là, Zambo Anguissa. Tes trucs que tu veux rire, tu ne ris pas là. Tu vas rire. Voilà. Donc, laisse-nous tes migmar là. Tes rasta là. On va arrêter ça. Zambo Anguissa, arrête ça. Bonjour. Ça et toi? Bonjour. Bonjour. Et toi? Bonjour. Bonjour. Ça et toi? Donc, Zambo Anguissa. Ton nom va être dans le Congo, ça. Zambo Anguissa. Zambo. Ton nom va être dans le Congo, ça. Si tu continues tes conneries, là. Tu as intérêt de rigoler avec tout le monde. T'es Nimba, là. Tu comprends? Donc, Zambo. Si tu continues les choses, là.
Bonjour, Arnaud. Bonjour. Donc, moi, je dis à Zambo, Zambo Anguissa, Zambo, quand nous, on va ramener ton nom dans le Congo, ça, les bêtises que tu fais en équipe nationale, là, tu vas arrêter ça. Parce que nous, on va traîner ton nom sur Facebook. Tu es... Les lions sont concentrés, on veut gagner des matchs. Et toi, tu es là, tu mimba. C'est pas le temps de mimba. Laisse tes trucs là. Tu as compris, non? Voilà. Comment on appelait même le type là où c'est... Il y avait un footballeur qui avait les abdos comme toi là. Il mimba. Et aujourd'hui, on dit qu'il n'a même plus 5 francs. Il y a un footballeur là qui joue à Séville. Là. Il avait les abdos. Où c'est à cause de tes abdos là, tes trucs là que tu mimba. La Zambo Anguissa, ça arrête tes conneries. Parce que nous, ce que tu fais là, tu veux gâter l'ambiance dans l'équipe nationale là. Tu arrêtes tes conneries là. Tu es obligé de rire. Rire pendant la Coupe du Monde, tu peux pas faire tes trucs avec les watts. C'est ça le noir. Quand tu es devant tes compatriotes, l'équipe nationale, tu viens Mimba. Tu avais les watts là-bas à Naples, tu rigoles avec tout le monde. On vous connaît. Voilà. Là où tu es là-bas, là, tu as l'obligation de collaborer avec tout le monde. Tu vas arrêter. Donc le soir, Zambo Anguissa, le président des blogueurs va te parler. Tu arrêtes tes choses que tu fais là-bas. On a gagné ton anniversaire. Tu refuses de manger. Tu tapes les Mimba, mon frère. Yubiwu. L'équipe de Roger Milan. L'équipe de Samuel Eto. L'équipe de Makanaki. Toi, tu es arrivé hier. Les gens te dorlotent. Tu tapes les styles. Arrête ça. Zambo Anguissa. Oui. Parce que quand nous, on va malaxer ton nom ici, là, tu ne vas pas supporter. L'équipe nationale, là, c'est sacré. L'équipe nationale du Cameroun est sacrée. On ne vient pas taper les Mimba que tu tapes les Mimba. Tu as d'abord l'obligation de jouer et de respecter tes coéquipiers. Voilà. Parce que ce que tu fais, c'est le... Tu essaies de mépriser un peu les gens. Sur la base des champions ligues que tu as gagné où? Les ballons d'or que tu as gagné quand? Pour venir taper tes Mimba là-bas, mon frère. C'est Tchoupo qui peut taper les Mimba là-bas. Le patron de l'équipe nationale, c'est Tchoupo. C'est Tchoupo Moti, c'est pas toi. Arrête tes trucs là. Les amis, je vais travailler l'argent. Merci, ceux qui ont partagé cette vidéo. Abonnez-vous massivement. On va sélectionner 10 blogueurs envoyés au Qatar. Ceux qui ont plus de 100 000 abonnés. T'es comme Amoko. Travaille encore pour avoir 10 000. Un blogueur, c'est minimum 10 000 abonnés. Tu n'as pas ça. Continue d'insulter les femmes. Insulter encore, insulter, insulter. Tu vois, des comme insulte encore les gars. Le niveau est très bas. On augmente encore les insultes pour atteindre 10 000.